conseil vous pouvez lui donner ? Écoutez, de démissionner probablement, parce qu'à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut que le gouvernement essaye de prendre des gens qui soient à la hauteur des responsabilités qui sont celles de ministres. Mais peut-être qu'elle a compris qu'il y avait le premier renouvellement, et le deuxième renouvellement. Ça fait trois voyez que je suis un bon camarade. Hein, mais je suis un bon camarade parce que c'est pas facile toujours d'avoir réponse à tout. Bon, voilà. Un ministre du Travail qui ne sait pas combien de fois on peut renouveler un CDD alors que c'est devenu malheureusement un des modes les plus fréquents d'entrée dans l'emploi en France, c'est gênant parce que ça veut dire que, ne connaissant qu'assez mal la situation de l'emploi et des travailleurs, comment peut-on être ministre du Travail ?